Ah, tu t'es bon, joyeux d'anniversaire. Un nom de plus, c'est Dieu qui nous a créés. Grâce à sa grâce, Jésus, Dieu qui nous a créés. Regarde sa cousine qui n'écrit. Je suis en live. Joyeux anniversaire. Hein? Va lui sur là. Joyeux anniversaire. Le ventre de ça, il vient de manger, je le ventre qui est déjà. Oh là là. Sir, do you have the preference something on the side? French fries, French fries. Bonjour à tout le monde. Bonjour Mabia, bonjour FM Bombis. Je suis à Monaco. Hein. Je suis à Monaco. Je suis arrivé hier. C'est que je suis venu célébrer parce que j'ai levé un Gontama et ma marraine officiellement. C'est ma maman. Donc, elle a dit qu'elle ne m'avait pas vu depuis. J'ai bien la voir. On passe même une nuit ensemble et puis je rentre sur Paris. Voilà, je suis venue. Bonjour FM Bombis, Master à moi. Bonjour Colette Terrier. Bonjour Bangaté de Kripi, Aimé Esther, Nala Brise, Manu Petit. Voilà, je suis venue voir ma maman. Notre milliardaire de cœur. Quand on dit milliardaire de cœur, ça veut dire qu'elle a beaucoup d'amour. Ça ne veut pas dire qu'elle a beaucoup d'argent, c'est ça, non? Notre milliardaire d'amour, notre milliardaire de cœur. Geneviève Gontama, on aurait pu faire un direct par rapport à son émission, par rapport à ce qu'elle vit en ce, depuis des années. Elle a abusé, tout simplement parce qu'elle a eu à aimer un homme. Et cet homme l'a abusé d'elle. Et nous allons dénoncer cette injustice afin que la justice vraiment tranche définitivement cette affaire qui dure depuis très longtemps. Et puis, ce n'était pas que Dieu était avec elle parce qu'elle a perdu un enfant dans cette histoire. Elle a perdu beaucoup de choses. Et il est temps aujourd'hui que les femmes s'élèvent d'une même bouche pour dénoncer ça. Ne posez pas des questions. Ne dites pas que, oh, comment elle peut donner son argent à un homme. Oh, pourquoi, quelle qualité d'amour comme ça, une femme qui aime l'autre. Arrêtez de poser trop de questions. L'amour est inexplicable. Quand ça te cas la maladie, quand le virus de l'amour là te prend, tu peux. Nous, on a sacrifié nos vies, 13 ans de nos vies. Ça nous a montré, ça nous a montré, nous ne sommes pas morts. Donc, ça peut arriver à toutes les femmes, ça peut arriver à tout être humain de tomber amoureux. S'il y a 100 clochards dans les rues, 99 souffrent, ils se sont retrouvés là à cause de l'amour. Donc, apprenez à comprendre les gens sans poser des questions. Oh, je ne peux pas donner mon argent à un homme. Oh, je ne peux pas faire ceci. C'est toi. C'est toi, c'est pas tout le monde. D'accord? C'est toi, ce n'est pas tout le monde. Donc, Geneviève est là, je vous la montre. Et tu vas dire bonjour. Tu es déjà devant la caméra. Je suis heureuse, je la prends, ma Lolo, Lolo quand elle vient. Bonjour. Donc, tu nous promets quand même que dans 2 semaines, ouais. Ouais. Parce que ce dimanche passe et on va compter à partir de dimanche 8 dans 2 semaines. Ouais. Geneviève sera notre invitée à Tata Lolo TV. Ouais. Elle va faire le déplacement de Monaco pour Paris. Oui. Pour venir faire une émission spéciale pour raconter son histoire à cœur ouvert. Oui. Donc je suis venue là pour ça, pour en parler avec elle. Elle voulait aussi me voir.
Donc on a passé un bon moment. Et je retourne dessus Paris demain, parce que je suis arrivé hier. Donc, Oui, je vous promets que dans deux semaines, dans deux dimanches, je serai avec vous. Ouais, je viendrai vous raconter à cœur ouvert mon drame. Voilà. Et je remercie énormément tous les lolomaniens, les anglophobes et tout le reste, les sympathisants, de continuer à me soutenir. Merci énormément, vous me donnez énormément de chaleur, énormément de courage. Et je suis sûre que je réussirai à me sortir de cette histoire avec votre concours. Promis, juré, je serai avec vous dans deux dimanches. Voilà. Et je vous assure que ce que je fais, c'est justement pour sensibiliser, faire comprendre aux plus jeunes, même à celles de mon âge et peut-être plus âgées que moi, que Belzébuth, l'enfer existe sur cette terre. Voilà. Allez. Bon, elle ne va pas tout rester longtemps à parler. Tu nous dis bye bye. Bye bye. Voilà. Peut-être à tout à l'heure, hein, si elle me redonne la parole. Je d'accord. Peut-être à tout à l'heure, si elle pense à ajouter quelque chose. Donc, vous ne partagez pas les lives, les filles. En tout cas, partagez le live. Hein. N'oubliez pas aussi que je vous invite, hein, parce que cette année n'a pas été facile pour moi. C'était une année très difficile. Très, très difficile. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Grâce à vous, c'est grâce à mes lolomaniens que je suis encore là. J'aurais pu craquer, j'aurais pu tomber malade, j'aurais pu avoir une AVC, j'aurais pu avoir tout ça. Comme je dis, Geneviève, je mène ce combat avec elle parce que je connais les douleurs, parce que je suis passé par là. L'harcèlement, la torture, la manipulation. Donc cette année n'était pas facile pour moi. À chaque fois que j'ai failli trébucher, vous étiez là pour me soutenir. Donc, mon anniversaire, c'est le 10 octobre. C'est vous que je mets à l'honneur. Je vous remercie, vous, de m'avoir soutenu. Que Dieu, peut-être, on sait encore mardi. D'ici mardi, j'aurai un an de plus. Et c'est vous que je mets à l'honneur de cet anniversaire. Mes lolomaniens sont à l'honneur de mon anniversaire. Je n'irai pas chercher les gens qui ne me fréquentent pas au quotidien de venir me souhaiter un happy birthday. Je le faisais avant, mais quand j'ai pris conscience que c'était la manipulation, c'était l'amour par intérêt, je n'ai plus besoin de ça. Les gens que j'aimerais que vous, qui soient auprès de moi ces jours-là, c'est vous. Bonsoir, Luis, mes camarades. C'est vous, que c'est votre présence qui est importante pour moi. Ça, je dirais organiser un live, le 9 à partir de 21h, et nous finissons à 0h, 10 à 0h. Donc, ensemble, on devrait m'appeler pour me souhaiter l'anniversaire. Bonsoir, le vous dépense. Bonsoir, Héro Coco. Bonsoir, ma petite sœur. La blenie. Comment dit encore? La Jaguar Motte. Mes félicitations, ma petite sœur. Tu as réussi un mariage. Hein. Bravo. 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 Pour une première, je te dis bravo. Wendy Planner. C'était top, top. S'il faut te donner une note, je te donne 12 sur 10. Tu ajoutes encore 2. Parce que là, je n'aurais pas cru que tu devais en sortir. Tu es très forte. Alors continue, nous allons te soutenir. Nous allons continuer à te soutenir. Mais le Lomania, je reviens sur mes Lomania. Donc, j'ai passé une année très difficile. C'est vous, mes Lomania, qui m'avez soutenu. Je recevais des appels. Tata Lolo, les pleurs de certaines femmes que je ne connais pas. Les pleurs des inconnus. Les femmes qui m'appelaient, les multiples messages. Ce soutien-là, je suis reconnaissante envers vous jusqu'à ce que la terre va finir. Ils ont voulu me faire du mal, mais vous étiez là pour me protéger. Vous étiez là pour me soutenir. C'est de vous que j'aurai besoin le 9 octobre à 21h jusqu'au 10 à 0h. 10 octobre à 0h. Parce que c'est avec vous que je vais partager ce moment de joie. Savez-vous que j'ai partagé, c'est un an de plus. Mais le Lomania, vous êtes à l'honneur. Je ne serai rien sans vous. C'est que je vous... Vous êtes ma famille. Oui. Et ils continuent à me persécuter. Ils continuent, ces personnes, à vouloir nuire à ma vie. Ils continuent à vouloir gâter tout ce que j'entreprends dans les réseaux sociaux. Mais tant que je serai avec vous, nous ne céderons pas au chantage. Nous ne céderons pas à l'intimidation. Nous ne céderons pas à tout ce qu'ils font. Nous restons focus.
sur notre Tata Lolo TV, parce que mille crieront les télés dans les réseaux sociaux, mais l'histoire retiendra que la mère, l'inspiration, l'auteur, l'inspiratrice, c'est Lolo Fodia qui a créé les émissions dans les réseaux sociaux. On ne fait la concurrence avec personne. Nous restons focus dans notre télé. Nous allons recevoir ce dimanche, nous allons recevoir l'artiste chanteuse Oshiga qui a accepté notre invitation. Elle viendra parler à cœur ouvert. À cœur ouvert, ce dimanche à partir de 19h, nous allons recevoir notre artiste. Nous allons parler, on honore d'abord les gens de chez nous. Parce que même l'Ivoirien, quand l'Ivoirien va honorer le Nord, d'abord la Côte d'Ivoire. J'honore d'abord les blogueurs ivoiriens, camerounais, dont Oshiga sera là. Après Oshiga, nous passons à l'anniversaire le 9 à partir de 21h au 10. On finit au 10 à 0h. Je vais souffler mon gâteau le 10 octobre à 0h. Donc nous allons commencer notre petite veillée à 21, le 9 à 21h, je souffle à 10h. Et le 10 octobre, la suite viendra. Et puis l'anniversaire sera terminé. J'ai dit aux personnes qui n'ont pas encore apporté leur contribution dans le litchi, que le litchi est toujours ouvert. Vous pouvez apporter vos contributions. Si vous ne pouvez pas apporter vos contributions, vous pouvez laisser vos... Il n'y a rien. Il y a Monogram. Vous pouvez faire les envois avant le week-end. Donc vous pouvez faire les envois. Déjà, j'ai dit merci. Merci infiniment à tous ces Lolomaniens qui se sont mobilisés autour de cette cagnotte, autour de ces litchis et qui m'ont fait des PayPal, les transferts d'argent. Merci énormément. Et merci, je vais encore dire merci à certaines personnes, mais le moment venu, je vais appeler leur nom. Mais en tout cas, merci. Vous m'avez prouvé que j'ai une grande communauté dans les réseaux sociaux, que je m'appelle Tata Lolo. Je ne suis pas dans une team, je n'appartiens, je suis le leader de mes Lolomaniens, des sympathisants qui me suivent aussi. Alors vraiment, merci énormément. Et dans 2 semaines, Geneviève, ma marraine, parce que elle me, quand je suis avec elle, c'est comme si j'étais avec ma mère, quoi. Elle me gâte, je ne manque de rien, elle veut tout faire en même temps, quoi. Elle veut tout me donner. Quand je dis, c'est elle qui a donné le pas, elle donne le triple, donc. Elle, quand je suis avec elle, je suis dorlotée, je suis chuchotée, je me sens bien, je me sens à l'aise avec elle, je n'ai pas peur, je n'ai pas de doute, je n'ai pas d'arrière-pensée. Donc, officiellement, c'est ma maman. Voilà. Je vais me battre auprès d'elle, je vais l'accompagner dans son combat. Quitte à même faire le coup d'engui pour elle, je serai là avec elle. Moi, je suis à Monaco, le nom de face. Je suis dans la boîte, dans le bar où il y a eu la bagarre, un chat et sa copine. C'est le fait. Dans le bar. C'est le fait, moi. Nous sommes au fait, moi. Lui avait la bagarre l'autre jour là. C'est au fait, moi. Je vais me lever, vous allez bien voir. Est-ce qu'il y a quoi? C'est ici que l'Angala était assise. Donc. C'est ici que. On l'appelle comment? Catherine Dang était assise ici. C'était ici qu'elle était assise. Parce que quand tu as parti d'ici, oui, quand tu as parti d'ici, tu vois là-bas. Parce que Natacha, non, elle n'était pas assise là. Je pense qu'elle était assise ici. Voilà. C'est ici. On fait l'enquête exclusive. Elle était assise à partir d'ici. Voilà. Ça passe. Parce que quand elle était assise là, oui, je crois. C'est ici qu'elle était assise. Là, j'ai bien capté parce qu'elle était assise ici. Quand elle a monté la caméra, on voyait Natacha assise douille, le monsieur en costume noir. Et avec un petit salon, le salon qui est là. Donc on voyait ça directement. Donc c'est par là. Ils vont faire les enquêtes, non? Enquête exclusive, il y a quoi? Moi, le Japon, ça laisse qui? Elle était assise ici. C'est ici qu'elle était assise, là. Parce que quand tu es tu regardes, tu vois bien que c'est là, Natacha, on va tourner la caméra, enquête exclusive. Natacha était assise d'où le monsieur est en noir. Parce qu'elle a tourné sa caméra, on voit Natacha là. Elle est partie se placer là, voir le salon. Fais-moi Monaco.
Je suis à Monaco, je suis arrivé en avion et je repars demain matin. Voilà. Si je trouve aussi ma part de milliardaire ici, il y a quoi? Non, j'ai indiqué seulement mon fonfon. Elle fait un bon bis, j'ai indiqué seulement non. J'ai seulement dit que c'est ici qu'il y avait la bagarre. C'est ici non, voilà le bar là non. Je zoome. Et puis je me vois le bas là, c'est ici non, voilà d'où l'attaché était assis non. Attends, c'est ma petite sœur, mais c'est moi pour rigoler, c'est là où elle était. Est-ce qu'elle a fait la bagarre? Moi j'ai aimé son comportement parce qu'elle ne s'est pas battue. Elle s'est comportée comme une fille classe, dans un milieu chic. Donc j'ai aimé. Mais je vous montre seulement que c'est là où la fille était assise, l'attaché était assise. Et la fille était assise ici. Je la connais parce qu'elle appelle la fille là. Elle était assise ici. Donc à partir d'ici, je vous dis que c'est historique. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, non, c'est pas interdit, non, parce que la dernière fois, j'ai deux amis qui se sont tirés les chignons ici, là. Ah, ok. Vous étiez là? Non, j'étais pas là. Ah, mais vous avez appris. J'étais au courant, oui. Vous étiez au courant? Tout l'hôtel, le savait, oui. Tout l'hôtel était au courant. Ouais. Mais pourquoi ils se sont battus? Bah, je sais pas vous dire. Ah, ça, ouais. Je sais pas vous dire. Non, mais on a vu ça sur Internet. Ok. Puis comme je suis une blogueuse influenceuse, je raconte à mes followers que c'est dans ces bars qu'il y a eu... cette bagarre, même, c'était même pas une bagarre parce que l'hôtel était calme. Je ne sais les histoires à personne. Ouais, bien et sûr. C'est une autre qui est venue l'agresser, mais elle s'est très bien comportée. Donc tout le monde était au courant, deux Camerounaises. Bon, après, on est obligé de transmettre à la sécurité parce que, comme qu'est-ce qui se passe ici. Ouais, c'est quand même dommage. Ouais. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Maman, enquête de soin. Maman, on pose là les questions, maman. Maintenant, on va vous montrer un peu. Eh, faut dire, pardon, ma paix, Lolo. Quand on a des fouilles à l'aide dans ma bouche, ça va partir un jour. Ici, là, c'est. Vu, ça, c'est le bord de mer. Ça, c'est. Non, ça, c'est vue sur mer. Voici la mer ici. Tout ça, c'est la mer. Tout ça, c'est la mer. Pour les gens qui fument à l'extérieur. Voilà, les gens qui mangent. Et puis, ils sont venus. Bon, je vous ai mort. Donc, je vais devoir vous laisser. Vous voulez voir comment moi aussi tape le malondo. On va visiter un peu Monaco. Hein. Nous étions en Italie. Italie. Nous étions en Italie. Nous étions en Italie, Norma. Nous étions en Italie. Nous étions en Italie, hein. Enfin, ouais. Tu es fatigué. Oui. Pas fatigué, mais tu peux continuer dans ma galerie. Hein? D'accord. Nous étions en Italie. Hein? Nous étions en Italie. On a vu, c'était au Ventini. Nous étions en Italie. Nous étions à voilà là où j'étais me voir. Nous étions en Italie. Nous étions voir à Ventini. J'ai vu l'Italie. Tiens, on a encore. Et puis nous sommes rentrés. Ça, c'est l'Italie. C'est là-bas qu'il faut. C'est loin. Ah, mais là, c'est bien. Ouais. Italiano. De toute façon, on voit les voitures italiennes. Hein. Ciao, ma. Merci. Maman, l'Italie est sale, maman. Elle est sale, mais... J'ai un petit village. Je peux bien leur expliquer que tu fais un petit village. C'est là-bas qu'il faut. C'est loin. Ah, mais là, c'est bien. Ouais.
toute façon, on voit, on voit les voitures italiennes. Ciao. Merci. Donc, tu prends ton téléphone. D'accord. Sans montrer que tu as ton téléphone, on ne saura pas que tu es mis. On a mangé, hein, nous sommes mangés. Je peux enlever les lunettes, hein. C'est du coup. Hein? Je peux faire sans lunettes. Hein. Parce que c'est derrière là. Bon, mais quand on regarde sur les lunettes, c'est moins le style. Je vous fais façon, façon. Moi, mais j'aime pas que les lunettes de sourire. Je n'ai pas les papiers, moi. Alors, comment ça? Maman, je ne suis pas français, mais j'ai mes papiers, pardon. Qui a dit que c'est là-bas? C'est qui me demande là-bas, tu n'as pas les papiers. Et tu m'as même dit que c'est pas sans papier, la police peut me contrôler, on sait jamais. Tu es oui, à la frontière là-bas. N'oubliez pas la veille de Lizzie Fouquem. La veille de Lizzie Fouquem, c'est samedi. Nous serons tous là-bas, soutenir Lizzie Fouquem qui a perdu son papa. C'est ça que je rentre, sinon je rentrais même samedi. Je suis obligé de rentrer. Lolo vous défend. Lolo elle aime bon soin. Tu as laissé. Il y a des films. Hein. Elle était au sport ce matin. Donc, on ne passe pas là-bas. Moi, je voulais monter le restaurant. Là, on se croise là-bas. Donc, le lieu de. Un restaurant chic comme ça, les gars, même bagarrer, maman. C'est quoi ça, maman? Moi, le restaurant, là, c'est. C'est la classe, hein. Ils sont en train de me guetter, ils me posent, les gars, il est en train de faire le Congo, ça, ses collègues. Il dit à ses collègues qu'il regarde, celui que j'ai posé la question, là. Les gars, comment il raconte à ses collègues. Les gars, il raconte. Voilà. Moi, je vais laisser les gens, si on me prend les photos, hein. Parce que tu es très belle comme ça. C'est ma maman, notre matin. Un matin Android. Maman, tu es top comme ça. Tes chaussures sont belles. Hein. Yeah. Envoie les cœurs. Je te prends en photo. Non, ma peau va couper hein, parce que tu me prends en photo. Oui, oui. On reste encore. Non, on nous dit aussi la dernière fois, on avait dit allons visiter tout ça. Tu te rappelles. Oh, mon. Non, mais moi, blanc.
Bonjour, bonjour, bonjour à vous. C'est moi qui filme la tata la lolo. Je ne connais pas ma chante. Je n'aime pas n'importe quel talon. Marche alors, je vous te regarde. Je n'aime pas n'importe quel talon. Ce n'est pas le talon de Zara. C'est le vrai talon. Bonjour. Ah, merci, c'est gentil. Merci, merci, Vonvon, pour ma tenue. Elle marche tellement vite avec les talons. Maintenant, vous vous rendez compte, elle demande à grand-mère de la suivre. Me voici qui court au ferment. La fille, si. Elle me fait courir. Ok. Je suis à Monaco. Hein. Je suis venu manger la vie avec ma maman. Hein. Nous sommes au Fémon. Hein. Qui va vous amener là-bas? La go si. La go de oué. Me voici en train de courir après avoir mangé. Vraiment, vous les jeunes là, vous voulez arrêter mon cœur. Aïe. C'est grave. Aïe, oui. Oui. Aïe, aïe, aïe. Je suis finie. Elle est en train de courir avec les talons. Elle a au moins 70 cm de talons. Hey, yeah. Mon Dieu. Maintenant, elle monte les escaliers. Okay. Elle m'attend même pas. Attends-moi, tata loulou. Excusez-moi. Je suis finie. Je sais pas. Ouais. Ouais. On attend. C'est bon, on a déjà fait des photos. Maman, quand dit que yes, ici, ce n'est pas l'Ouganda. Ouais, bête, il fait de bons commentaires. Franchement, vous êtes terrible. Ce n'est pas l'Ouganda. Donc, les Lolo Mayat, n'oubliez pas de nous envoyer les PayPal, les litchis. Le litchi est encore ouvert. Nous avons. Non, j'ai bloqué. Nous avons notre PayPal. Nous avons notre. Nous avons notre litchi qui est toujours ouvert. Voilà, j'ai mis le carton. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Ah oui. Merci. Ici, ce n'est pas l'Ouganda. Vous avez vu comment on vient nous donner notre voiture. Ils ouvrent la portière, on entre et puis on continue. C'est ça qui est ça. Bon, les filles, vous laissez. On leur regarde encore un peu. Bah oui, pour filmer, je sais pas. Voilà. Ouais. En tout cas, j'ai tous les photos sur Monaco, là, c'est bon. Voilà, mais je voulais quand même faire une bonne vidéo quand il fait mon petit mannequinage. Bon, alors, on va. Tu veux leur filmer le. Le problème, c'est que dès qu'on sort d'ici, peut-être que ton. Non, ouais. j'ai mis mon truc. Ok, d'accord. Okay. Donc tu veux qu'on part, on va passer avec le, devant le. On les amène devant le casino. Casino, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Demande-leur, non, si elles veulent aller. Bon, les filles, on vous laisse alors. Moi, je vais passer le temps avec ma mamoune. Hein. Elle est au volant. C'est que c'est une gare. Depuis on dit le volant, hein. Elle maîtrise le volant, le feu sort.
Elle n'est même pas fatiguée, moi qui est une peureuse. Facile, en dehors, j'ai acheté le paquet de cigares à 30 euros. Ah, oui, bon, ouais. Monaco, c'est 30 euros le paquet de cigares. Je ne sais pas la sorcellerie, c'est quoi, n'est-ce pas? 30 euros, c'était ici, ici. Voilà. Tip top, top. Oh, là. Oui, au Rampoli, tip top. Oui. Ouais, ouais. Ah, oui. 30 euros, dit que mon frère. Ah, oui. Marlboro, là, c'est 40 euros, mon gars. Voilà. C'est la sorcellerie. Bah oui. Pas le casino là-bas, non? Non, oui, mais il faut passer par ici pour aller contourner. Tu sais, ça n'entre pas par là. 30 euros. Tu sais que ces jours-là, c'est pour ça que tu vois tout beaucoup de gens. Les gens qui viennent ici, il faut vraiment être blindé. Aïe, 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 aïe. Il faut être blindé, blindé pour vivre ici. Si tu n'es pas blindé, tu ne peux pas. Hein. Ah. Vous avez la côte, tu ne peux pas. Aïe. J'ai dit, maman mia. Que 30 euros le paquet de cigarettes. Pourquoi vous signez? Non, ils n'ont pas signalé. C'est qu'on a perdu la connexion de. Le wifi. Attends. Je suis arrivé hier, je repars aujourd'hui. Demain, parce que il y a la veille du papa de Lydie Fouekem. Donc la veille, c'est samedi. J'ai mis l'adresse, toutes les coordonnées. Les Lolomana qui sont dans Paris, si vous aimez, voilà, je vous invite à venir soutenir notre soeur. C'est son papa qui est décédé. L'adresse est là, je serai là-bas, toute l'équipe sera là-bas. Donc, c'est ça que je rentre, sinon je reste encore. Et il y a encore quoi? Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On attend toujours vos contributions. Je merci déjà à tout le monde, même celles qui n'ont pas contribué. Voilà, vous avez quand même vous avez contribué à beaucoup de choses tout au long de cette année pour moi. Même si vous n'avez pas contribué financièrement, votre soutien de tout part, de tout moyen, moralement, financièrement, vous avez été tous mobilisés, psychologiquement, vous étiez tous mobilisés derrière moi. Il n'y a pas que l'argent. L'argent n'est pas. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais tu es malheureux. Il faut avoir les gens qui t'aiment. Et c'est la chance que j'ai d'avoir des gens qui m'aiment, des vrais. Vraiment, merci infiniment. Je ne vais pas vous garder pour longtemps. C'était juste un petit direct. Nous sommes là au casino. Nous sommes là au casino. Voilà, nous sommes là parce que l'autiste il m'a fait l'autre jour hier. Je voulais traverser. Si m'a dit que non, madame Dessana allait traverser là-bas. Voilà. Les... Parce que ici, là, il faut traverser pour passer sur les. Sur le passage piéton. Voilà. Ils sont tu très. Et comment ils nous regardent. Ils sont très, très, très carrés. Donc, vraiment, voilà, merci. Voilà, l'endroit de casino. Ça, c'est le secteur voilà, du casino. Les grands magasins, Valentino, les grands magasins partout. Hermès, bref, les éternels trucs hein, que tout le monde connaît déjà. En tout cas, vous avez vu tout ça. Donc, Monaco, ouais. C'est ma deuxième vie parce que ma maman habite à Monaco. Je ne serais pas surpris que de temps en temps, vous allez me voir ici. Hein. Ça, c'est déjà le bâtiment. Ça, c'est le bâtiment casino. Du casino. Et le... L'hôtel de Paris, l'hôtel de Paris. L'hôtel de Paris, c'est là. Voilà. Les moments, les endroits historiques voilà. De où Monaco. Tout le monde, où tout le monde vient voir. Où tout le monde rêve, où tous les grands stars. Quand vous voyez là, c'est ici que les grands stars mangent, c'est le secteur des grands stars. Ça, c'est le casino de Monaco. Quand tu entends que casino de Monaco, casino, c'est là. Le casino, et c'est ici que toutes les grands stars. Tu vois, il y a les gens qui sont là pour. Ils attendent les stars pour prendre les photos, les trucs comme ça. Ici, c'est la maison des voitures, mon frère. Partout là. C'est ici, là, c'est une place historique de Monaco, cette place-là. Il y a le casino, il y a le grand hôtel de Paris, il y a les grandes maisons de couture, il y a tout. Voilà. Donc, merci à toi. Merci, ma Geneviève, pour ton soutien, Tata Lolo. Mm-hmm. Ah oui. C'est notre maman, non? Moi, je suis venu, elle m'a adopté, non? Et c'est l'histoire que vous dites que Bamileke, Bassam, machin. Ma Geneviève, d'abord, c'est la femme de Bamileke. Elle était la femme d'un Bafang. Elle a eu des enfants, Bami. Donc, laissez l'histoire là. Elle mange, je dis, elle mange ça. Ah oui. Donc, quand on vous dit baba, elle dit là, baba, on part. Allez. Allez, moi. Moi, 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 moi. À dans deux semaines. À dans deux dimanches. Allez. On est fatigué. La femme est lent. un têtu, le gars là. Allez. Bye bye à tout le monde. Ciao. Bye bye. Bye bye. Oh, Dorcas, dis que tu es venu en retard. Je parle déjà à Dorcas. tu connais Dorcas, non? Mm-hmm. elle dit que. Moi, je ne dis que Dorcas, c'est un conteneur que. Yay! Yeah! elle m'a dit ça hier. Que celle-là, c'est alors. Non, vous dites que vous clashez. C'est la plus. Elle est la plus forte parmi vous toutes.
Elle là, c'est, je ne sais pas, un conteneur. Elle m'a raconté ça hier quand je suis arrivé. Elle dit non, Dorcas là, non, non, pour elle là, il ne faut pas chercher d'histoire à cette femme. Hein. Elle fait peur. Elle fait peur. Mais elle est gueule, elle gueule, elle est sûre. Je dis que vous avez mis Dorcas. Elle n'a pas mes langues. Ciao.